58 ans après la Dervim, dont le nom signifie révolution en turc et qui devait être la première voiture de tourisme conçue intégralement en Turquie, mais dont les prototypes n'ont jamais été convertis en modèle de série, la Turquie se met à nouveau à y croire avec deux concept cars signés TOGG. Dévoilé en grande pompe le 27 décembre dernier en présence du président Recep Tayyip Erdoğan, le C-SUV de TOGG est un prototype de crossover compact 100% électrique. Né à l'instar de la berline présentée concomitamment de l'union de 5 champions industriels locaux, il devrait donner lieu à un modèle de série en 2022, ce qui en ferait la première voiture conçue et produite intégralement en Turquie. Ces lignes élancées et modernes sont le fruit d'un partenariat avec le très réputé bureau de style italien Pininfarina. Son habitacle est futuriste, accueille pas moins de 4 écrans et sa fiche technique n'a rien à envier à celle de modèles zéro émission européens ou américains. Le TOGG C-SUV donnera le choix entre deux architectures. La version de base disposera d'un bloc électrique placé sur l'essieu arrière et développant une puissance de 200 chevaux, tandis qu'une variante embarquant un deuxième bloc de même puissance à l'avant et bénéficiant partant d'une transmission intégrale revendiquera 400 chevaux. TOGG annonce un 0 à 100 km/h expédié en 7,6 secondes par le modèle de base, tandis que la déclinaison la plus puissante est créditée d'un excellent chrono sur ce même exercice, 4,8 secondes, ce qui lui permet de s'inviter à la table du Tesla Model X ou à tout le moins à celle de sa variante la plus raisonnable. L'autonomie oscillerait entre 300 km et 480 km et les batteries lithium-ion peuvent être rechargées à 80% en 30 minutes seulement. A noter du reste que TOGG s'engage à offrir une garantie de 8 ans sur ses batteries. Le constructeur turc prévoit de produire 175 000 unités du C-SUV dès 2022. Affaire à suivre. À très vite sur wandaloo.com.